Bonjour! Aujourd'hui, un pétard pour Shakespeare. Le bureau des vérificateurs d'infos. De qui? De Pierre-Yves Noël. Merci. Alerte info. L'un des plus célèbres dramaturges du monde, William Shakespeare, aurait été influencé par le cannabis pour l'élaboration de ses œuvres. Pour vérifier cette info, j'appelle tout de suite notre correspondant Fabrice Quenelly. Bonjour Fabrice, où êtes-vous? Je suis à Jemont-Merde à l'île de Ré City. Mais c'est énorme cette info, Pierre-Yves. William Shakespeare, fumant de la beuh, c'est bouleversifiant. Voilà un mec qui te pond Hamlet en tirant sur la chicha. Mais alors qu'a donc tiré La Fontaine pour écrire ses fables à part la bonne et les courtisanes? Et Céline, qu'est-ce qu'il a pris comme substance pour voyager au bout de la nuit à part du picrate, du vin à 12 degrés acheté chez le feuge du coin? Je vais vous dire, Pierre-Yves, depuis que je sais que les écrivains marchent aux produits illicites, j'ai rangé mon porte-plume et mon cahier à spirale. Je préfère me shooter à la télévision et faire le show. Je décolle autant que de passer un week-end avec Hollande et j'installe ma prose. C'est énorme, ça, ce que je viens de dire. Notez, Pierre-Yves, notez. Je note, Fabrice Quenelly, je note. Et je vous remercie d'avoir validé cette info BVI. Encore juste un mot, Pierre-Yves, excusez-moi. Est-ce que vous pensez réellement que le grand écrivain Johnny Hallyday se drogue? Ce n'est pas un écrivain, Johnny, c'est un chanteur. Mais c'est plus que ça! C'est un génie! C'est le génie du XXe siècle! D'ailleurs, si Johnny était né au XVIIe, il aurait certainement fait la première partie de Molière! Le BVI, ils ne prendront jamais aucun risque. Sauf celui de vous faire rire!